Bonsoir. Voilà, c'est bon. On y est, c'était la conviction. Non, en vrai, ça va être stylé. Ça va être très stylé. Donc, rebonsoir à toutes et à tous. Et du coup, bienvenue dans ce live sur la team Nvidia. Donc, vous avez le lien de la chaîne qui est dispo en haut à gauche de l'écran. Nvidia GeForce FR. Et donc, eh bien, sur cette soirée absolument exceptionnelle que l'on fait tous les jeudis, on voit des jeux qui sont tous les jeudis de 21h à minuit. Faut que je le répète quand même. Parce que, bon, pour les gens qui voient ça en VOD, au moins, vous savez quand venir pour voir les lives. Et ouais, donc à chaque fois on voit des choses hallucinantes. La dernière fois on a fait du game maker, du photoshopage de l'infini. Et la fois d'avant on avait vu d'un jeu complètement barré. Je sais plus ce que c'était. Alois Awakening, très très cool aussi. Et on a vu plein de jeux du Ludum Dare, ce genre de choses là. Et aussi des jeux VR. Et là on se retrouve face à celui qui, ma foi, m'a été montré il n'y a pas longtemps. J'en avais pas du tout entendu parler. Et j'ai fait waouh, mais ça a l'air trop cool. Et donc il s'agit de Chuchel, ou Chuchel pour les intimes, qui est le nouveau jeu de Amanita Design, à savoir les gens qui ont fait Samorost, mais surtout. Les gens connaissent beaucoup de eux, Botanicula et Machinarium, et donc des gens qui maîtrisent à mort le jeu d'aventure en 2D avec des univers bien barrés et des designs qui vraiment leur appartiennent, quoi. Et là, effectivement, j'ai sous les yeux quelque chose de particulier. Ça a l'air tout joli comme tout. Et donc on va lancer ça. En plus, au niveau du son, c'est toujours des jeux qui sont assez intéressants aussi. Et que faire? Alors attendez, on a plusieurs quoi, plusieurs monstres. Allez, on clique sur lui, il est sympa. Et il ne se réveille pas. Mais qu'ai-je fait? C'est quoi ce jeu? C'est l'écran titre, que se passe-t-il? Et qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais que se passe-t-il? Il est en train de mourir! Non, c'est bon. Non, en vrai, je comprends rien. Alors, attends, parce que du coup, je peux appuyer sur plein de choses. Ça n'a aucun sens! Ouais, le sound design de Botanicula, c'était ouf. Tout était fait à base de bruit de baignoire et de bruit de bouche, c'était génial. Alors, je suis quand même curieux sur une chose. Que dois-je faire? Ah, d'accord, lui donner à boire, ça on est bien d'accord. Ça c'est fait. Alors attends. Ok. Et que se passe-t-il une fois qu'il y a ça? Lui, il est en mode PLS de la mort. Et ensuite, il fait quoi? Il tombe? Oui! Il tombe dans la bouche de l'autre. Ok. Ça a l'air chelou. Ça a l'air très très chelou. On l'a réveillé pour de vrai! Mon dieu, incroyable! Ah ouais, ils ont cramé, hein. Ils ont vraiment cramé sur ce jeu. Wouah. Putain, ça a l'air foufou. Alors, il y a Kion qui dit, sympa ton pixel art, tu rebosses dessus quand? Tous les jours en ce moment. En fait, j'intègre les trucs que j'ai fait en pixel art dans Game Maker petit à petit. Oh, toi, tu m'énerves. Allez. Et donc du coup, ouais, enfin voilà, en gros, j'essaie de rendre ça en jeu vidéo très modeste. Alors, attends, on va cliquer. Ah, stylé. Non! Ils nous volent la cerise! Vite! Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est trop bizarre comme menu d'entrée d'avoir fait un truc avec une énigme qui est pas forcément très très claire. Mais par contre... Alors, il y a un truc que j'ai pas pigé. D'accord, donc on peut pas courir. Ah ah! Ah ah! Mais oui! Par contre, le système d'énigme, il est génial. Le fait que tu essayes comme ça et tout, c'est vraiment vraiment génial. Ah bah non! Alors, la cerise est ici. Est-ce qu'on va devoir récupérer la cerise à chaque fois? C'est trop cool. Il y a un petit côté scrat. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit côté l'âge de glace, effectivement, avec cette cerise et ce truc-là. Donc là, si on fait ça, il va falloir... Il n'y arrive pas. Et donc là, le but, c'est de trouver comment est-ce qu'on fait. Alors, on peut peut-être pousser ça. C'était un essai. Alors, on peut faire une autre action. Comme un homme. Ouais, exactement. Ah, c'est super classe. Mais les bruits
bruitages, mais les bruitages sont tellement cool. Le chat, il a trouvé des jouets dans le jeu, effectivement, là. Je le sens pas, Sora. Ah oui, tu kiffes, là. T'en kiffes, en de ouf, quoi. Ça va? Tu... Bon, regarde pas avec du mépris, comme ça, s'il te plaît. Tu me mets mal à l'aise. Oh, putain. Ah, mais le chat, il bloque tellement. Le chat, il bloque de ouf. Ah, mais là, c'est un truc de malade. Il va sauter sur l'écran, il va péter un plomb. Oh la vache. J'ai jamais vu le chat aussi captivé par un truc qui se passe à l'écran. Ça va, tu... Bon, alors, juste un tout petit truc, effectivement, je rattrape une bêtise. Je n'ai pas mis le nom du jeu sur le live, donc voilà, on sera sur Chuchul, et donc... Attends. Voilà, on va mettre ça comme ça. Hop, c'est bon. Alors, on va voir si ça le captive de nouveau. Alors, on peut lui parler. Blablabla, bla, bla, Mr. Freeman. Toc, toc, toc. S'il vous plaît, bonjour, monsieur. Ah, le connard. Mais c'est pas ça qu'on voulait. Oh, il est trop chou, en plus, le bonhomme, là. C'est génial. En vrai, c'est génial. La tête du perso, elle est parfaite, quoi. Eh oui, il va dessous, c'est le moment ou jamais. Mais non. Que fais-tu? Alors, est-ce qu'on peut en arracher un autre? Ah, attendez, je crois que je sais. Si ça se trouve, il faut tirer le bon poil. Ah non, il n'y a qu'un seul poil. Ah, c'est dommage, ça aurait été marrant d'avoir le truc de cerise, du coup. Ah bah là, on l'a vu. Ah mince, mon poil. Alors, attends. Si on fait blablabla. Ok. Je comprends rien. Alors, comment est-ce qu'on va gérer le truc? Ça a l'air tellement complexe. Donc là, définitivement, on lui a arraché le poil, mais ça ne marche toujours pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris? Non plus. Ah, mais en vrai, ça... En jeu tablette, ça marcherait trop bien. Complètement fou. Bon, on peut rien faire avec ce panneau. Ah, par contre, j'ai les bras plus grands maintenant. Ah non. Quel dommage. Ok. Alors, si on va là, qu'est-ce qu'il fait? Ah, peut-être que je peux lui tirer la bouche ou le nez ou quoi, ouais. Je regarde, attendez. Là, si je fais... Si je lui parle. Hey bonhomme, on peut lui dire des choses peut-être. Putain, il nous a ressorti un poil. Non plus. Oh mais il se fout tellement de notre gueule. Samoros c'est sur sa tablette, ouais, effectivement. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il est trop fait, d'accord. Ah, Botanicula sur tablette, j'ai jamais fait par contre. Ah, du coup, on a fait la boucle. Botanicula, je l'avais fait sur PC à l'époque, mais c'était il y a très très longtemps, c'est quand il venait de sortir, quoi. Et Samoros 3, j'ai jamais fait. Est-ce qu'il vaut le coup, du coup, pour les gens qui connaissent pas trop ou pas? Ah, on peut lui demander de faire un truc avec le panneau. Vas-y, fais-nous rêver. C'est tellement mignon, putain, c'est l'angoisse. Ah ouais, il est trop chou le jeu, quoi. Il est vraiment trop trop chou. Alors, si on tire ça. Et hey! Et donc là, on va lui planter sa gueule. Quelle angoisse.
Oh, le truc d'enfoiré. Ah bah non. Vas-y, vas-y, tiens. Et là, en tombant, on fait hop et pam. Allez, GG. Et vite, la cerise, elle est là. Non. Ah, c'est trop génial. C'est magique. Ah, c'est vraiment magique. Ah, il est tellement cool ce jeu. Et du coup, pour les petites infos, je crois qu'il coûte pas cher en plus. Hein. Je l'ai payé 10€ là. Alors. Ce monstre est parfait également. On dit bravo. Alors, est-ce qu'on peut lui faire quelque chose? Non. Ah, d'accord. Oh, le salaud! Mais attends, arrête! Mais je l'avais! Mais je l'avais encore une fois! Oh, c'est dégueu! Mais c'est mal foutu! Qu'est-ce qu'il va faire de son compagnon? Non, mais non! Mais quel salaud! Ça donne des cauchemars ce jeu, mais non, au contraire! Alors attendez, on va tenter ça. C'est tellement con. C'est tellement con. Non, je trouve ça trop con. C'est tellement bien. Ah, du coup des autres. Ah non, vraiment, il y a trop de bonnes idées. Ah, ce n'est pas fini. Chopez-moi ce truc. Vite, suivez cette voiture. Ah, zut. Vite. Ah mais c'est vraiment ça en plus. Oh, ils sont fous. Ils sont fous dans ce studio, ils sont complètement fous. Non, 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 fais pas ça. Non, la musique tellement Botanicula là. Oh là 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 là. Non, mais non, mais non, 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 retombe. C'est trop cool parce que c'est vraiment mignon et ça se prend pas la tête et ça marche super bien quoi. Ah attention. Hop là. Et c'est rigolo parce qu'en tant que tel, c'est pas un truc de fou hein, niveau comment dire. Au niveau gameplay quoi, mais c'est juste que le visuel l'emporte sur tout quoi. Le visuel, le son surtout. L'ambiance en général, ça marche sur absolument tout là. Le truc il est intestable quoi. C'est tellement un jeu à faire aux enfants, quoi. Ouais, je montre ça à mon neveu. Peut-être qu'il fera des cauchemars à vie, hein, ceci dit, je sais pas. Non, mais non, faut pas ça. Ah, et les gens qui font les bandes-son ouais, de ces jeux-là, ils sont vraiment très très impressionnants. Mais déjà, Machinarium, ça avait son charme. Hein. Mais c'était triste, Machinarium. Ah, d'accord. Hop là, ensuite. Ah, attention. Non! Fourbe. Ah! Mais c'est super dur! Comment ça, jeu de drogué, mais n'importe quoi? Ah oui, la solution, c'est lui en fait. Ah voilà, c'est ça.
Ok, on y arrive. Et là, c'est le drame. Machinarium, c'est vachement plus dur. Ouais, c'était chaud. Hein. C'était chaud. La Machinarium, c'est vraiment, vraiment celui qui me semblait être le moins fun, on va dire. C'était pas le moins bien, mais c'est le moins fun de Amanita. Botanicula, je pense que c'est vraiment celui que j'ai préféré. Cette petite troupe là, c'était tellement mignon quoi. C'était un truc de fou. Oula. Bon alors là, attention, il s'est passé quoi là? C'est if place meeting y plus 1. Non, c'est bon. Allez. Les restes de Game Maker. Ah, trop classe. Je sais pas comment on fait les cutscenes d'ailleurs comme ça dans les jeux vidéo. Et PAN! Une bombe! Mais c'est trop bien! C'est du gag et ça marche bien. C'est ça, c'est les mini-sketchs en fait. C'est plein de mini-sketchs, c'est trop mignon. Gamal, tu l'as fait du coup le jeu, il est long ou pas? Alors, j'imagine qu'il y a ça. Que se passe-t-il? Oh mais ces animations de l'amour quoi. Oh la vache. Oh les escargots du futur quoi. Bonjour. Tu peux être mon ami? Waouh, quelle porte. Pac-Man, Tetris ou Space Invaders? Moi je dirais Tetris. Mais non. Mais non. Mais non. Putain, ils sont fous. Oh là 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 là! Mais n'importe quoi! Et qu'est-ce que tu fais? Tu t'es planté! Oh là 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 là! Encore, 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 encore! Il est trop bien ce jeu, putain! Oui! C'est bon! Bon alors ça c'est... NON! Je me suis fait tuer. Bonsoir Neige. Ouah, c'est compliqué. Attention les deux lignes. Hop. Ça va. De quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Je ne comprends pas. Le jeu se transforme. Environ 2 heures de durée de vie. D'accord, ok, ça marche, Gamal. Bah écoute, on va le faire. Hein. On va le faire au complet. Allez, c'est parti. Donc, pour les gens qui voient ça en live ou en VOD, si vous voulez ne pas vous spoiler, les faire de votre côté, surtout, surtout, ne regardez plus à partir de là. Et après, on fera les Game Maker, je pense. Il nous restera du temps. Je vais en abuser. Mais arrête! Oh oui, une bombe! L'idée est géniale. Oh, avec le petit compteur là-haut. Ah, mais il y a la bombe! J'avais pas vu. Voilà. Putain. Ah, c'est génial. C'est génial. C'est vraiment génial.
Je veux les autres, je veux les autres. Fais-moi jouer aux autres copains. C'était trop mignon. On en veut un autre. C'est trop cool. Ah, Space Invaders. Et bonsoir aux personnes qui arrivent sur le live. Ah ouais, non, c'est la folie. C'est la folie. Oh mon dieu, que se passe-t-il là? Oh, c'est pas vrai. Mon dieu. Et quand je fais pour les tuer? Ah voilà. D'accord, en fait je prends la couleur et après je peux les affronter. Vite, un truc vert. Un truc vert, non, vert. Prends la clé, sors. Sors Bobby, oui, vert. Allez sur le côté là, voilà, et là hop. Ensuite vert et bim. Rouge. Hop, et le dernier. Parfait, encore une victoire de canard. Ok, allez bleu maintenant. Allez. Petit speedrunnage. Ah, il ne fait pas bon d'être un boss dans un tout la city style speedrun. Oh quoi? Qu'est-ce que t'as fait là? Viens vite. Là hop. Putain, c'est tellement beau ça. Le 2 en 1 comme ça. Attention. Et là, c'est le drame. Vas-y, comment il ose. Je te laisse pas avoir, Bobby. Je te dis. Tu l'auras. Voilà, c'est bon. Et un dernier. J'ai pas compris, Marie-Louise, de quoi tu parles. Ah non, vraiment, il est très cool. Attention, le boss. Non. Me voilà retransformé à tout jamais. Oh oui, l'ennemi, le vrai. Attention. Ok, bleu. Vite. Putain, mais ils se sont permis de faire des boss dans un point and click, quoi. Non, mais non. Ça paye tout. Transforme-toi. Mets-toi en bleu. Allez, vas-y. Non! Ne fais pas ça! Attention! Allez, crache ton venin! Oui, c'est bon! Allez, et vert maintenant! Non! Trop dur! D'accord, j'ai. Faut aller dans un sens puis dans l'autre. Là, tu fais ça, et là, tu fais hop! Et voilà, et on tourne, et là, on arrive et on va le chercher, et on fait. Non! C'est vrai qu'on est complètement dans le thème du Ludum Dare là. C'est mélanger deux styles de jeu qui ne sont pas compatibles. Ça marche très bien. Alors, et là, c'est le drame. Le dernier. Exactement, Akalai. Bon, le Pac-Man, du coup, je suis curieux de savoir comment ils l'ont fait. J'imagine que tu vas devoir cliquer sur les quatre directions. Oh, mais c'est tellement génial. C'est tellement génial. Et c'est là qu'on se dit, hein, punaise. La vie appartient aux graphistes. Hein. Wow, calme-toi. C'est dur, oh. Ok. Mais c'est mal fait. Que c'est mal fait. Ok, c'est bon, je l'ai. Allez, concentration. Parce que quand je clique, il clique mal en fait. Allez, fais-moi rêver, les fantômes. Ah non, deux Pac-Man. Oh putain.
Paco, 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 Paco. En plus, c'est intelligent de faire un truc où c'est le Pac-Man va récupérer les objets que tu vas devoir toi récupérer dans un autre truc. Allez, fais-moi rêver. Je le sens bien là. Mais il a tourné tout seul, j'ai rien fait, il a tourné quand même. Mais j'ai cliqué 1000 fois, c'est mal foutu, c'est pas possible. Allez. Un trophée là. Même pas. Ah non, je suis grillé. Et comment je fais du coup? Ah, ils réapparaissent quand même. Mac, 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 mac. La vie appartient au graphiste. Mais oui, mais bien sûr. Non mais quand t'es graphiste, tu peux apprendre à coder. L'inverse n'est pas vrai. Enfin si, mais c'est chaud patate quoi. Mais que c'est mal foutu. Donnez-moi une manette. Je clique, il ne se passe rien. Non, ça joue pas avec les flèches, ça joue avec la souris. Du coup, c'est pour ça que c'est compliqué. Chuchel, ok. Pac, 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 pac. Oh là, oh là, calme-toi. Allez, 2-1. On va choper les 3. Et de 2. Et de 3, voilà, trophée, ça c'est bon ça. Pour l'amour du geste, bien sûr. Ah. Et donc bien évidemment on fait hop là. Ok, ensuite on fait ça. Ça va, le jeu est gentil quand même. Là, hop là. Alors Noj nous dit, j'ai vu des gens qui n'avaient jamais touché un crayon devenir des surdoués en une année de remplissage de croquis. Ah, ils avaient un petit côté surdoué à la base peut-être. Non, en vrai, j'avoue, c'est grosse part de travail le dessin et d'entraînement et tout ça. Ça, je suis complètement au courant du fait parce que voilà, j'ai beaucoup de dessinateurs autour de moi. Mais quand même, ça me semble tellement plus difficile et plus inaccessible. Après, c'est peut-être l'image qu'on s'en fait qui est faussée, mais. Allez, ça va être bon. Voilà. Allez, on est bientôt au bout. Mais non, mais arrête. Dépêche-toi. Voilà. Mais non, mais arrête, fais pas ça. Ce jeu qui me rend fou. Mais non, mais arrête, t'es de... Mais arrête, t'es là, mais c'est pas possible ça. Voilà. Mais non, mais pourquoi tu tombes sans raison? Y'a rien qui... Mais je comprends pas comment il marche ce truc. Bon, moi c'est bon, on l'a eu. Ah là 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 là. Bon. C'est bon. Maintenant, s'il te plaît, j'ai rempli les 3 missions. Est-ce que tu peux m'attraper, s'il te plaît? Cette cerise. Ok. Oui, je veux ça, s'il te plaît. Regarde, j'ai les 3. Oui! Mais ne mange pas! Oh si, regarde ça! Il est parfait. Et là... Yeah. Quel talent! Mais quel talent!
Ah, ça c'est dommage. Ouais. Ah mais on parle pas de foot Marie-Louis là. C'est ça moi c'est mon sujet tabou le foot hein. Je suis autant calé sur le foot que toi sur les... Sur la propagande islandaise quoi. Là, c'est très très bien. Alors, magnifique. Tu ne touches pas ma cerise. Ceci est mon corps. Non ! Qu'est-ce qu'on va en faire de ce truc-là ? Mais qu'est-ce qu'il va nous faire ? Oh, magnifique. Ah, et là c'est le drame. Oh, il est tellement chou. Oh là 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 là. Et que se passe-t-il? Il faut qu'on trouve une solution. Viens là, petit bonhomme. Tu ne bouges pas, tu te mets là et tu regardes le trou. Et là, je récupère. Oh mon dieu. Ce jeu est fou. Ce jeu est absolument fou. Oh là là. Non, il m'a reconnu. Comment il savait que c'était moi? Ah, putain. Bon, on va tenter une autre. Et là, c'est le drame. Je sais pas quoi penser là. Je sais pas quoi penser. C'est pas... En fait, je dois concocter une potion, je pense. Je viens d'arriver et... Hein? C'est exactement ça. Alors, que se passe-t-il si on prend ça plus la boule? On cumule. Mmh.
nom de Zeus, Marty. Non, bah non, fais pas ça. Je devrais rouler dessus à l'autre. Oh là 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 là. Ah bah non, il fallait pas. Et que se passe-t-il quand je prends un canard sur un canard? Ne fais pas ça. Ah, je reviens normal. Ah, attendez, je crois que je sais. Get. Allez, viens, on va aller voir. On va aller se mettre avec ce truc là. Wow. Attends, ça nous dédouble. Encore une fois. Voilà, c'est ce qu'il reste de nous. T'en as trop pris, gros. Allez, viens, j'ai compris. C'est facile. Mais c'est facile. On commence par ça. Ensuite, on récupère ça. Mais non, pas ça, banane. Celui-là. Attends! Et si j'en mange deux? Que se passe-t-il? Deux d'affilée? Non, le fruit est pas accessible en fait pour le moment. Ah bah non. Attends, qu'est-ce qu'il dit Jean-Jacques? Est-ce que tu peux me l'attraper s'il te plaît? Non. Par contre, si je suis plus gros, peut-être. Allez, fais quelque chose d'utile. Mon dieu. Alors, viens là. Ensuite, est-ce que je peux attraper Jean-Jacques pendant que je suis comme ça? Non. Attendez, je peux faire grossir Jean-Jacques et me mettre sur lui. Eh oui, c'est ça. Je lui dis, tiens, regarde Jean-Jacques. Mange donc ça. Et pourquoi tu le recraches? Il était parfait. Je sais pas trop. Non, on peut pas aller dans l'écran suivant, justement ce que je vous disais tout à l'heure. Ça marche pas. Alors. Le jaune dans Jean-Jacques. Oui, mais ça j'ai bien compris. Le problème c'est le jaune. Ah, peut-être qu'avec le canard je peux le choper, ceci dit. Dim 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 bedebop. Voilà. Attends, on va voir. Vol! Vol! Nulard! Est-ce que je pouvais être gros et canard? Je m'en rappelle plus. Non. Un fruit en or avec Jean-Jacques, ça fait un Jean-Jacques Goldman, putain, bravo. Mmh.
Je ne sais pas quoi faire. Ah mais l'écran jaune, il est là, je suis con. C'est ça le secret. Et là tu fais bam. Et vu qu'on a fait ça, voilà. Et là on peut aller voir Jean-Jacques. Tiens Jean-Jacques, prends ça. C'est pour toi. Oui. Tu es magnifique. Je suis sûr qu'il a peur des araignées. Ah ah! Mais non, fais pas ça à Jean-Jacques! Ah! Ah, fallait faire ça! En fait, faut bloquer les quatre merdouilles. Alors attends. On fait ça. Ah, tu penses le fruit bleu? Ah, bah, attends, je vais essayer de manger les quatre pour avoir quatre bras comme lui là. Après tout, moi aussi j'ai le droit. Allez, bien. Je mange le fruit du démon. Et je me transforme alors en une créature magnifique. Jean-Jacques, je te rejoins. Par nos pouvoirs conjugués, nous voici nous. Magnifique, magnifique. Oh, il est mignon lui aussi, tiens. Alors. Quel connard. Ce rire du malaise. Ah, la cruauté, ouais, c'est exactement ça. Alors ça marche pas très bien. Du coup faut pas aller sur lui, qu'est-ce qu'il faut faire? Non plus. Ah oui, moi j'aurais bien mangé, effectivement, j'aurais aspiré. Une histoire de mélodie. Ah. Alors, je peux pas faire le tour par ici. Ah, on a bien avancé. Là, on voit la progression dans le jeu. On en est à peu près à la moitié.
Je sais pas trop. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. C'est la cerise sur le gâteau, exactement. Quel comble. C'est un grand mystère. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Il se passe quoi si on attend? Il nous cherche, il ne nous trouve pas. Non, on peut rien faire avec l'assiette. Non, on peut pas aller vers la droite justement, Gamal, j'ai essayé mais ça marche pas. Il y a pas de truc cliquable. Et là, il n'y a rien de cliquable, donc je peux rien faire. Gauche-droite en boucle. Ah, comme ça. Ouais, je sais pas. En vrai, je sais pas du tout. Je peux cliquer sur lui. J'ai pas l'impression d'avoir des points de clic ailleurs que ça. Parce que même quand je clique vraiment en bas et tout, c'est... Oh! Mais quel enculé! Oh, excusez-moi. C'est sorti de là. C'est sorti, j'ai pas fait exprès. Oh là là. Oh, mais comment ça se fait pas? Oui! Ah, bah non. Mais qu'est-ce que ça, l'eau? Ok. Donc là, ça marche. Voilà. J'ai fait quoi? Je pense que c'est à force d'essayer que tu te fais avoir, Shetan. La cerise dans le gâteau, cette fois-ci, exactement. Oh putain. L'œuf que t'as envie d'abattre, quoi. Ah. Fais pas d'omelette sans casser des œufs. Alors, comment on va se débrouiller? Ah, c'est un jeu d'équilibre. Ça va, ça y a un gif qui tourne sur ma tête où je fais ça mais avec une barre en fer, n'est-ce pas? Je gère. Level de mort, c'est exactement ça. Oh! Exception! Ah bah non!
C'est un vrai boss, hein. Le jeu, il déconne zéro, quoi. C'est vrai que ça fait très... Avez-vous déjà vu? C'est moi, il a fait Funky Town. Magnifique. La cerise originelle. Hey. C'est dommage. Non, c'est vraiment vraiment foufou. Hein. Par contre, je vois pas ce qu'il veut récupérer. Oh, un chapeau! Il est tellement mignon! Quel BG! Mais arrête de récupérer tout ça! Mais elle est derrière ta cerise! Ah, mais c'était mon chapeau à moi, d'accord. Magnifique. La cerise dans l'eau doit être une histoire excellente. Ah non, excellente, pardon. Pff, voilà, je suis fatigué. Ok, du coup, allez, on s'en fait une petite dernière. Après, je pense qu'on va couper parce qu'en fait, je vais pas. Ça m'emballe finalement. Je vais vous montrer tout le jeu parce que c'est un jeu qui coûte pas très cher et que vous pouvez faire de votre côté, etc. Donc, juste voilà, on le fait comme ça, on l'a vu, on sait que c'est top. Et comme ça, il vous reste des surprises de votre côté. Allez, mais je résiste pas. Au plaisir d'en faire une autre. Hey, bonhomme! Mm-hmm. Ceci est un tori. Bon. C'est le moment. Comment ça s'appelle déjà? Ah non. C'est comment ça s'appelle déjà? Ah, Angry Birds. Magnifique. C'est exactement ça. Attention, vous êtes prêts? Ah ben non, reviens! Magnifique! En trois phases, encore une fois. Et là, c'est le drame. Wow. Ça a l'air tellement chaud. Mais comment on le fait celui-là? Je pense qu'il faut que je le fasse tomber, y a pas moyen autrement. Je sais pas. Hein? Ah d'accord, ok. Ouah, c'est chaud. Incroyable. Oh ce move. Oh ce move était parfait. Fantastique. Té-té-té-té-té-té. Il est magnifique. Tais-toi! Ta gueule! La ferme! Oh le cri! Oh cet easter egg!
pour la vidéo de Halt 236, les 10 tableaux, je sais plus quoi, qui est fantastique cette vidéo, une des premières qu'il a fait, incroyable. Ah oui, il nous a fait un vrai taillot là. Taillot ! Ah, et là c'est le drame. Magnifique, magnifique. Eh bah punaise. Eh bah punaise. Franchement, je suis très content qu'on soit tombé sur ce jeu. Ça valait le coup. Ça valait le coup. J'attends la phase de rythme, on va y avoir ça. Là, ça va être la phase un petit peu jeu de versus. C'est l'heure du duel. J'imagine. Ah, mais j'arrive pas à m'arrêter, ça y est. Ah. Vas-y! Punch out, t'es dans la place! Tu vas le déglinguer! Tu vas le déglinguer! C'est pas lui qui va gagner, c'est toi le patron! Vas-y! Tu l'auras! J'ai fait ça toute ma vie, bonhomme! Roboto! Oula! Aïe aïe aïe! Oh, ce vieux bruit! Ça rappelle les vieux jeux! Alley Cat! Est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent de ça? Cat Alley ou Alley Cat d'ailleurs, je sais plus. Incroyable! Avec les chats qui se battaient dans le quartier là qui. Putain, mais ça sera un trop cool jeu à faire en Game Maker. Un remake de Alley Cat. Ce sera assez stylé. J'arrive pas à m'arrêter. J'arrive pas à m'arrêter. Ah, troquer, acheter le jeu. Bah écoute, j'espère que ça te plaira. Bah ouais, ça c'est vraiment le genre de jeu qu'il faut soutenir en plus. Hein. Franchement, c'est tellement cool, tellement original, tellement tout. C'est vraiment, enfin ouais. Ça devient fou. Ça devient fou. Ça n'a plus aucun sens. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je comprends plus rien. Mais quel étonnant mix. Et bonjour monsieur Sniper. C'est étonnant. En vrai c'est étonnant. Oula, on va trop vite, regardez, on a passé la moitié. On a passé la moitié, on va pas aller plus loin, on va retourner sur l'écran titre, voilà, de la base. Il était bien l'écran titre, il était beau, il était sympa. Et donc voilà, je le disais, jeu Amanita Design. Nous étions dans Churchill, un jeu vraiment cool, en vrai, et surtout drôle. Et des jeux drôles, faut quand même le dire, on en a pas assez. Des jeux drôles, pas de rôle bien sûr. Ouais, vraiment, c'est toujours fun. Et là, le côté humour par l'absurde, etc. Il y avait eu ça dans Jazz Punk aussi, mais qui était tellement moins bien réalisé. Là, c'est juste trop cool. Donc, vraiment, je suis ravi de vous l'avoir montré. Je suis ravi de l'avoir acheté. Je le terminerai de mon côté. Et j'espère que le découvrir comme ça vous a plu, tout simplement. Je fais une toute petite pause pour le live. Accordez-moi juste un instant. Je vais aller me faire chauffer du thé, tout simplement. Et pour les gens qui suivent ça en VOD, bah du coup, je vous retrouve très bientôt pour la suite de ces découvertes que l'on fait comme ça en direct. Je reviens dans quelques instants. Je me dépêche. À tout de suite.